Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour un nouveau let's play sur Breath of the Wild, qu'on va faire comme promis en mode expert. Voilà, et je me lance même le défi 3 cœurs. On verra, je m'autorise quand même à récupérer des fées et puis des cœurs jaunes, donc des cœurs secondaires. Mais voilà, 3 cœurs de vie rouges. Et on va commencer sans plus attendre. Voilà. Donc je vais pas vous refaire la lecture, hein, tout le bordel. De toute façon, on connaît le jeu. Faudra juste que je me réhabitue un peu au gameplay. Mais normalement, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Donc déjà, on réactive la tablette Sheikah. Ça, on connaît. Ok. Donc maintenant, il va falloir équiper cette tablette Sheikah, hein, avec les différents, merde, avec les différents modules.
On va récupérer, hein, tant que c'est sur la route, deux, trois trucs quand même. Histoire de... Si, là. Hop, 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 hop. Nice. Alors attends. Fagot de bois, ouais, ça peut être utile. Hop, lui je le snob. Ouais, non, mais c'est bon, je vois. Oh non. Vite, hop. Je suis pas encore assez costaud pour, hein. On va éviter. Donc c'est où? C'est là-bas qu'il faut aller. Putain, il y a de l'ennemi, hein. Qu'est-ce que je fais? J'esquive. Ouais, c'est bon.
Voilà. Un bout de carte dévoilé. Ok. Donc ben maintenant, faut redescendre. Alors on descend là. Parce que c'est bon, ça passe. Donc là, voilà, on va aller vers le sanctuaire. Par contre. Tiens, attends, viens voir toi. Toi, je vais prendre, hein, ça peut servir. Toi, t'as que dalle. De toute façon, t'es dans l'eau. À mon avis, tu dois être bien rouillé même. Voilà, donc ben là, on va commencer à enfin à équiper un peu la tablette Sheikah des fameux modules. Donc, on va récupérer dans les quatre premiers sanctuaires. Donc, déjà, il y en a un ici. Donc, on va faire celui-là. Tiens, il y a un coffre là. Ah, ben c'est un coffre du pack d'extension. Alors, rubis brut, je prends. Ça fait toujours de la thune. Ça peut être utile. Ok, nice. Alors, ah oui, là, faut équiper la tablette. Enfin, faut aller activer le module sur la tablette.
Et après, à partir de là, hop, bingo. Donc là, il n'y a rien qui traîne. Okay. Punaise. Punaise. Oh, le fumier, il m'a laté. Bien. Ah bah dis donc. J'en ai chié un peu, moi. Ok, nice. Je vais regarder un truc. Ok. Bon, voilà déjà une bonne chose de faite. Donc il y en a encore trois à trouver pour finir déjà le tous les fameux modules, j'ai envie de dire. On va en faire encore un deuxième pour aujourd'hui, puis on fera les deux autres demain. Enfin, après-demain. Donc là, ouais.
Ok, alors, déjà pour commencer, oui, alors là, j'ai repéré ça là au fond. Ok, donc c'est bien un corps au goût. Ouais, parce que les corps au goût, je vais pas les. Bon, forcément, je vais pas tous les faire, mais je vais en faire quand même quelques-uns histoire de débloquer quelques emplacements d'armes. Ça peut être pas mal. À la rouillure. Alors là, il faut que je retourne, donc on va se téléporter ici. Ça sera plus simple. Enfin, plus rapide. Oui, donc effectivement. Comment on fait? Voilà. Ok. Alors, il y en a un. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a trois autres, hein. Et l'autre là-bas. Ok, nice. Alors, on va déjà commencer par aller en faire un. Donc c'est le rouge, on va dire, on va prendre le rouge en premier, c'est le plus près. On va aller par là-bas. Je regarde un peu s'il n'y a pas des corps au goût, des coffres qui traînent, des armes, des machins comme ça. Tiens, là, il y a peut-être par exemple des objets antiques. Notamment, tiens, il y a des grebuches. Là, on va prendre des grebuches. Oh fuck. Voilà, arbre antique. Il faut que je fasse gaffe, il y a normalement un. Voilà, un gardien qui va s'activer. Oh fuck. Bon, ça va? Non! Non! Putain! Nique ta mère! Pourquoi ce Kono? Il a fallu que qu'il s'accroche au mur. Tu me l'expliques celle-là? Putain, c'est pas croyable ça. Hein.
Bon, bah alors attends, on va l'esquiver. Je vais pas repasser par là, je vais passer par derrière du coup. Ah oui, il y a le. Oh, mais merde! Alors attends, il y a le. Ok, il y a un coffre là, c'est le, je crois que c'est le maillot Nintendo Switch qu'ils ont fait dans le pack d'extension. Voilà. On peut le récupérer hein, au passage. Et on va aller faire ça. Soif de destruction, ah bah ben ça c'est les bombes ça alors. Ok, ça c'est très bien. Les bombes ça va nous être bien utile parce que en cas de. Au cas où il n'y a pas d'armes, parce que là c'est vrai qu'on est vachement limité en début de jeu, c'est vrai que ça va nous être utile les bombes, ça peut faire un peu de dégâts contre les ennemis quoi. Bon, pas beaucoup hein, mais un petit peu quand même. Alors, ce que je vais faire, je crois que je vais pas. Je sais que dans ma première partie, donc normalement, de toute façon, on est obligé de faire Varuta, le donjon Varuta en premier. Je crois que ce que je vais faire, là, je vais. Parce que la dernière fois, j'étais passé par. J'avais fait Varuta et puis après, j'étais allé au volcan. Et là, ce que je vais faire, c'est que le volcan, je le ferai en dernier. Je vais faire Varuta et après, je vais faire le désert Gerudo. Puis ensuite. Vamedo, ça sera peut-être plus simple. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Non, il n'y a pas de coffre. Ok. Ah oui. Ok. Nice. Et ah, il y a un coffre là-bas. Bon, alors cette bouboule là, elle sert à rien. Hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ok.
Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. Et bon, on continuera tout ça prochainement. Moi, j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à commenter, me dire ce que vous en pensez, à vous abonner. Et moi, les loulous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!